Hello famille, nouvelle vitrine, Search TV. Info people, actu showbiz, tous les faits de société, cinéma, sport, opinion et débat. Search TV, nous trouvons l'information que vous cherchez. Salut, salut famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. En tout cas, je vais super super bien aussi. Et les affaires, ça bouge chez vous aussi, j'espère. En tout cas, ça va. La maladie m'a lâché, hein. Je vais très 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 bien. Et j'espère aussi que votre semaine se déroule très très bien. Voilà. Bon, dans cette vidéo, je vais m'adresser à nos deux artistes. Quand je parle de nos deux artistes, vous savez de qui je parle. Je parle de Didier Arafat et de Debordo Likoufa. Voilà, j'aimerais bien leur laisser ce message-là. Et j'aimerais bien que vous m'aidiez aussi à partager jusqu'à ce qu'ils puissent la voir. Parce que c'est un message fort que je vais lancer. Je veux dire que dans cette vidéo, c'est vrai qu'ils se sont réconciliés. Et moi, personnellement, je suis tellement heureux de voir ça. Je suis tellement content de cette situation-là que vous n'imaginez pas à quel point. Vous comprenez un peu? Je suis en paix. Je dors tranquille. Je suis plus stressé à savoir si mon artiste a des problèmes, qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer contre lui, qu'est-ce qui se passe entre lui et Arafat, où c'en est. Dieu merci, j'ai plus ces réflexions-là, j'ai plus ces nuits blanches-là. Donc franchement, je suis content de ça. Mais en même temps, je voulais faire une mise en garde. Voilà. Moi, personnellement, moi je suis rien. Hein. Moi, je répète toujours dans toutes mes vidéos, je suis rien. Je ne suis qu'un simple YouTuber qui réagit sur les problèmes du showbiz. Voilà. J'ai mon artiste de Debordo Likoufa, il demeure toujours mon artiste. Mais en même temps, il faut que je vous dise quelque chose de clair, grand frère. Vous voyez, de la même manière que vous êtes réconciliés là, vous voyez bien qu'il y a d'autres qui ne sont pas contents de cela. Ils ont leurs raisons. Mais en même temps, moi j'aimerais vous dire de ne plus nous rendre plat comme ça. Voilà, si vous avez bien remarqué, moi je vous ai encouragé quand j'ai appris la nouvelle, quand j'ai vu ce qui s'est passé. Mais en même temps, quand j'ai dit de ne plus nous rendre plat, qu'est-ce que je vais dire? Il ne faut plus que cela arrive, parce qu'il faut que ce soit pour de bon. Parce que ce que vous ne savez pas, je vais vous dire aujourd'hui, si demain vous deux vous êtes en clash là, vous risquez de voir des fans très silencieux, parce qu'ils se diront que c'est encore une mise en scène. Vous comprenez un peu? Ce message là, retenez-le. On est tous contents de la réconciliation et moi je suis très content de cette réconciliation là, parce que quand je vois Didier Arafat et Debordo ensemble en train de chanter, en train de s'amuser, je ne peux qu'être fier, parce que c'est ce que je voulais. Mais en même temps, je vous mets en garde. Si vous ne croyez pas, essayez. À la limite, nous les fans, on va vous ignorer. Vous demeurez nos artistes, hein? Moi j'ai rien contre vous. Moi, comme je répète, je suis très content de ça. Mais on va vous ignorer. On se dira, même si c'est sérieux, que c'est une mise en scène, que c'est une pièce de théâtre. On ne va même pas s'en occuper. Parce qu'on n'a plus besoin de ça dans notre coupé décalé. On n'a plus besoin de ça dans notre musique ivoirienne. C'est pourquoi dans ma vidéo précédente, j'avais dit à Didier Arafat de régler ses histoires avec le grand frère Salfo. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin. Plus vous êtes unis, plus vous devenez encore plus fort. C'est de ça qu'on a besoin. Donc j'espère que votre réconciliation, elle est pour de bon. J'espère que vous n'allez pas venir nous faire chier encore sur cette toile où on ne dort pas. On est là à s'imaginer des trucs. On ne veut plus voir ça dans cette musique ivoirienne là. Parce que mine de rien, ce coupé décalé là, il y a deux personnes qui le mènent bien. C'est Debordo et Didier Arafat. Quand on ne parle pas de Debordo, quand on ne parle pas de Didier Arafat, le coupé décalé risque de prendre un coup. C'est pourquoi je vous dis, si vous commencez vos trucs, on risque de rester muet. Parce qu'on ne veut plus ça. Moi personnellement, je ne veux plus ça. Restez famille jusqu'à la fin. Vous êtes des hommes, il y aura toujours des incompréhensions. Mais il ne faut pas en faire un buzz. Il ne faut pas en faire une affaire. Jusqu'à ce que vous inquiétez les fans. Les fans vont se mettre dedans, à se boxer, à s'insulter, à s'envoyer des mauvaises paroles. Puis demain, vous êtes ensemble. C'est ce qu'on veut, mais il ne faut plus que cela se répète. C'est une mise en garde. Voilà. Vous êtes nos artistes, nous sommes vos fans. De la même manière que vous faites danser là, c'est de la même manière qu'on cotise nos 5 francs, 5 francs. Et puis vous avez vos voitures, vous louez votre maison, vous vivez bien. Donc, il faut qu'il y ait cette réciprocité là entre nous. C'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Donc, j'espère que vous allez comprendre le message. Ce n'est pas un manque de respect, mais c'est juste vous prévenir.
parce qu'on connaît un peu maintenant comment le showbiz marche. J'aimerais aussi inviter les fans des deux artistes à mettre de l'eau dans les vins. Les injures, là, on n'a qu'à laisser ça. Si vous avez bien lu mon message, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. On doit même plus s'insulter. Tu es fan d'Arapat, bravo. Tu es fan de trucs de Desbordeaux, bravo. Ça veut dire qu'on est tous fans du coupé décalé. Mais quand ils commencent les conneries là, on les regarde. Ils vont finir de faire, ils vont se calmer. Mais ce sont des meilleurs amis. Ça n'ira nulle part. Ça ne sert à rien de s'insulter entre nous. Voilà. Donc je fais un big up à la page à soutien. Et Desbordeaux, Forca, Desbordeaux. Voilà. Il y a d'autres qui disent Forca, il y a d'autres qui disent Forca. Moi j'aime bien dire Forca, Desbordeaux. Voilà. Forca 3A, Desbordeaux 3A. Big up à mon petit Kouagoulé. Voilà, ça c'est mon bon petit. Big up à Chaka Fofana. Big up à Magui Kwami. Big up à La Voix Réfrigérateur. Big up à Sol Félix de Gamay. Big up à Naflo Adamo. Big up à mon ministre Majed. Big up à ma vice-présidente. Big up à Ricardo depuis Dubaï. Big up à Maître Son. Big up à tous les abonnés. Big up à Kevin de Paris. Big up à Duc Donovan de Paris. Big up à tous mes éléments. Plus de guerre dans ce mouvement-là. Plus de guerre. C'est moi ici votre porte-parole d'abord. Ça va moins se respecter ça. Je veux plus de guerre. Moi, je n'ai rien contre vous. Voilà. Je n'ai rien contre vous. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Search TV, nous trouvons l'information que vous cherchez.